Messieurs, dames, bonjour! Oh là là! Oh oui, ça fait longtemps! Oh oui, ça fait longtemps, mon Syntaxeur! Beaucoup trop longtemps, je suis absolument désolé, vous m'avez manqué pendant tout ce temps. Je m'attendais pas à ça, mais je suis trop content de vous retrouver, ça y est! Ça a été long! Putain, c'était long! Il y a eu pas mal de streams qui ont sauté parce que je devais partir, donc déjà désolé pour ça, mais voilà, je vous raconte ma vie un petit peu, mais que vous compreniez un peu l'enchaînement. He's back, c'est le retour du roi, retour des doigts, des gros doigts. Merci mon petit zombie Attendez, que je regarde tous ces petits noms que j'ai pas eu depuis trop longtemps, je vous raconterai après. Mon JR est là, bien sûr, mon Alex Kawai est là, mon Vlacero est toujours là pour veiller sur nous, quoi qu'il arrive, à tout moment du jour et de la nuit. Toujours impressionné. Moi, Nikuman est là. L'amiral Brakmar est là. Oh, incroyable. Oh, ça fait du bien de revoir Tarjoul. Ça va, papy? Oh, oui, j'étais Joe Biden pendant plus d'une semaine. Ça dure encore, hein, c'est pas fini, mais voilà, ça. Je reviens de loin, je vous avoue, je reviens de loin. La bif ne fait pas le moine. Ah, mais j'en pleurerai de voir ces beaux pseudos qui m'ont tant manqué, mon syntaxe erreur. Alan Corrigan Comic Book, please work. Marcus Diplodocus. Ah, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure. Je peux te dire ces dernières semaines, ces derniers jours, c'était incroyable. Salut Étienne. Salut Mafia Yogi, salut Furet 60. Je craque de partout, tout à fait, mon petit Furet. Oui, vraiment. Je reviens de là, je reviens d'Alger. Mais c'est pas la faute d'Alger, c'est absolument terrible ce qui m'est arrivé. Enfin, terrible, il y a bien pire. Hein, ça va, je m'en remets, il n'y a pas de séquelles. Mais... Franchement, là, j'avoue, j'ai craqué. C'était trop. Ah, puis je suis flou. Voilà, je reviens, je suis flou. Alors, attendez. Est-ce que notre focus marche encore? Non. Ah! C'est pire ou c'est. Je sais plus si c'est pire ou c'est bien. Je vais déconnecter la caméra. Et on va là. Il faut que je reprenne toutes ces bonnes vieilles habitudes. Je vais reprendre. Voilà. C'est où la caméra? C'est là. Voilà. Je la désactive et tout de suite je reviens. Et en général, quand je fais ça, je reviens net. Vous voyez? C'est pas mal. Bon, ça va. Pas non plus complètement perdu les vieux réflexes. Salut Honda bout de couille, salut Tirfion. Oh là là, mais quel bonheur. Christopher, bonjour. Ah mes amis, le monde est flou, complètement flou. Que s'est-il passé? Je suis tombé depuis 3 semaines maintenant, je suis tombé dans une faille spatio-temporelle qui a commencé à Star Wars. Donc Star Wars, c'était fabuleux. Hein, voilà, pour ceux qui y étaient, vous l'avez vécu comme moi. Meilleur salon, je peux pas vous dire mieux, meilleur salon de tous les temps pour moi. Je me rends compte, je suis plus attaché à Star Wars qu'aux jeux vidéo finalement, et que je suis bien plus excité par un Faucon Millenium grandeur nature que par cartouche Zelda d'origine dans la boîte d'origine, ou à la limite. Mais là, j'étais dans mon élément, j'étais avec mes amis, j'étais en costume de Han Solo, c'était vraiment le bonheur et c'était top. Voilà. Et je suis en train de me dire, je suis pas censé raconter ma vie, je suis censé travailler là, parce que je suis très en retard avec tout ça. Mais pour vous la faire courte, Star Wars, c'était super. Le seul petit détail que j'ai pas capté tout de suite, c'est qu'on a dormi dans une villa qui était géniale. On était tous ensemble, on a pu jouer le soir et tout, c'était cool. Sauf que j'ai dormi dans un petit lit, une place d'enfant, d'ado, qui était complètement défoncé avec un trou au milieu et tout. J'ai très mal dormi physiquement pendant ces 2 nuits, en fait. Je m'en foutais, c'était pas grave. Voilà. Sauf que, voilà, donc je suis rentré. Le salon, c'était dimanche et lundi. Alors, samedi, dimanche, lundi. Moi, j'ai fait que dimanche et lundi pour rester quand même un peu avec ma famille samedi parce que je savais ce qui allait arriver derrière et à quel point c'était chargé. Donc, j'ai fait dimanche et lundi. Lundi soir, je suis rentré assez tard. Je me suis mis au travail tout de suite pour préparer les tournages de mercredi de Team Game One. Donc, j'ai eu juste mardi pour préparer 4 tournages. C'était un peu chaud patate. Et c'est pour ça, du coup, je crois que j'ai pas streamé parce que j'étais tellement à la bourre, j'avais pas le temps d'installer le truc et de raconter ma vie. Bref, j'ai quand même réussi. Je suis parti mercredi matin en me disant c'est bon, je tiens le bon bout. Sachant que mercredi soir, je décollais pour Alger. Donc, je partais direct de Game One, quoi, quasiment. Donc, mercredi matin, je vais chez Game One. Je suis dans le métro. Et dans le métro, je commence à sentir une douleur dans le dos que j'ai déjà ressenti. Ça m'est arrivé 2, 3 fois. Une lombalgie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous bloque complètement le dos, c'est-à-dire c'est des douleurs insupportables dès que vous essayez de vous déplier, en fait. Là, je suis assis, si j'essaie de me déplier, ça va coincer un peu. On a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir se redresser. C'est aussi douloureux que les reins. Vous savez que j'ai des calculs aux reins, avec mon grand âge, je vais vous sortir mes radios. C'est aussi douloureux que les reins. Sauf que les reins, il n'y a pas de position qui vous sauve. Quoi,
faut juste prendre des cachets pour que ça passe, voire de la morphine, et vous faire vite enlever les cailloux. Il n'y a pas de solution. Là, la lombalgie, c'est aussi douloureux, mais que quand vous vous dépliez ou de changer de position. Si vous êtes assis ou allongé ou debout, ça va. Ça, c'est pas agréable, mais c'est tenable en tout cas. Voilà. Donc, je m'aperçois que j'ai ça et j'ai déjà eu du mal à descendre du métro. J'ai eu du mal à me lever de mon siège du métro pour descendre. Donc, je suis arrivé déjà à Game One un peu flingué. Ils avaient prévu un défi dans le couloir un peu physique. J'ai dit oh, non, je peux faire tout ce qui n'est pas physique. Et voilà, donc j'ai juste fait manger des trucs dégueulasses et faire du tir à l'arc. Mais vous regarderez si vous voyez les images. Ils avaient posé l'arc par terre. Je ne pouvais même pas me baisser pour le ramasser. Ça faisait hyper mal. Donc, j'ai fait quand même. Mais ça se voit que ça ne va pas du tout. Et j'ai quand même défoncé la cible avec l'arc. Donc c'était bien. Donc on a quand même fait... Non, c'est même pas un tassement des lombaires, c'est juste une lombalgie, Christophe. C'est vraiment le truc basique, quoi. Donc j'ai quand même tourné l'émission. Voilà, donc tant que j'étais assis ou debout, tout allait bien. Après, quand il a fallu se lever à la fin de l'émission pour aller préparer le level 1, ça a été très difficile. Après, j'ai tourné mon level 1 en live sans problème. Et voilà. Et après, je suis parti pour prendre, repasser à la maison, prendre ma valise et partir pour Alger le soir. L'avion était à 23h30, mais il fallait y être très tôt avant. Ils sont très chiants avec les visas et les douanes. Donc, je devais y être vers 19h30, 20h. Donc, je suis reparti direct. Je n'ai pas eu le temps de faire un bisou à ma femme et mon fils. Je suis parti à Alger pour un salon qui avait lieu, qui avait lieu. Jeudi, vendredi et samedi, sachant que moi j'allais faire juste jeudi et vendredi. Donc j'ai fait jeudi et vendredi à Alger, c'était super, sauf que j'avais le dos complètement flingué. Donc là, déjà 3 heures d'avion, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir descendre, sortir de mon siège. Je pouvais pas me déplier en descendant. C'est la pénible pour tout le monde l'avion, mais avec une lombalgie, c'est l'enfer, l'enfer. Voilà, j'ai quand même fait le salon tant que j'étais debout. Je suis resté debout tout le temps en fait. D'habitude, je m'assois, je reçois les gens, on papote, je me lève pour prendre une photo. Là, je suis resté debout tout le temps. J'ai accueilli des gens debout tout le temps. J'ai fait quelques petites conférences assis et j'ai attendu que la conférence soit finie et que tout le monde parte pour me relever. Parce que je pense qu'ils m'avaient vu me relever, c'était, on dirait vraiment Joe Biden quoi. C'est horrible, horrible. Et du coup, et vous l'avez vu avec Kayane. Oui, Kayane a eu du mal à avoir son visa, exactement. Donc j'ai fait, à la fin des conférences, j'ai quand même fait des photos avec les gens, mais je leur demandais de venir à côté de moi, donc vous verrez toutes les photos de moi à Alger, dans des conférences, je suis assis. Voilà, et une fois que tout le monde est sorti, je me lève, mais ça prend 5 minutes de se redresser en fait. Et je suis courbé comme ça, comme un petit vieux, enfin, l'enfer, l'enfer. Et donc comme je voulais pas inquiéter les gens, je sais que c'est un truc temporaire et qu'il laisse pas de séquelles, c'est pas grave. Mais c'est spectaculaire, donc je voulais pas qu'ils pensent que j'étais au bout du rouleau, enfin, j'étais au bout de ma vie, mais pas vraiment, enfin... C'est de la présence que ça donne en tout cas. Voilà. J'ai fait donc les deux jours d'Alger courageusement. Heureusement, on était dans un très bel hôtel. Il y avait une piscine. J'ai pu nager le soir et le matin. Ça m'a un peu dérouillé. Et comme l'hôtel était très grand, j'ai pas mal marché dans les couloirs. Ça m'a permis de me dérouler. Mais pour tout vous dire, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai eu le malheur d'aller aux toilettes à 3h du mat. Je n'ai pas pu me relever de la cuvette. C'est-à-dire que j'ai dû ramper à quatre pattes des toilettes jusqu'à mon lit, parce que je pouvais pas me redresser. Je pouvais même relever des cuvettes. Pour vous donner une idée de la douleur, c'est vraiment, quand vous en êtes là, je vous assure, c'est vraiment, c'est la déchéance. Total, quoi. Total. Voilà, bref, j'ai fini Alger, c'était super, et on s'est éclaté, c'était vraiment bien. Les gens étaient adorables, adorables. J'ai rarement vu ça, c'était top. Hop, 3 heures d'avion. Alors, retour. Le vendredi soir, les vols partaient trop tôt. Ça m'aurait obligé à partir vers 15h du salon. Je voulais quand même rester jusqu'au bout. Donc, je suis parti le samedi matin. Parce que le dimanche, c'était l'anniversaire de ma femme et je voulais absolument être là. Je suis parti le samedi matin avec le premier vol qui était à 6h du matin à Alger. C'est-à-dire qu'il fallait être là-bas 3 heures avant. Donc, à 3h du matin. Donc, je me suis levé à 2h du matin. En tout, j'ai dû dormir 6h en l'un des deux jours où j'étais à Alger, quoi. Voilà, et j'ai pris l'avion et j'ai encore souffert pendant 3 heures, ça partait pas. Et enfin, samedi, j'ai pu arriver à la maison, je suis allé voir un médecin qui m'a prescrit des antidouleurs. Voilà, à partir de dimanche, ça allait un peu mieux, mais j'étais toujours plié. Donc on a dû reporter les festivités pour l'anniversaire de ma femme. Bref, et arrivé à lundi, je me dis, j'y arriverai pas, je vais pas pouvoir préparer les level 1 de mercredi, parce que je peux pas rester assis. 3 heures, je peux pas faire de stream, je peux pas rester assis 3 heures, il faut que je me bouge toutes les heures,
Sinon, ça va pas. Donc, j'ai du tout annulé les émissions, les streams. Je devais dimanche aller à l'expo Game Story à Versailles. J'ai annulé aussi. Je me dis, je me prends une semaine pour me requinquer. Et voilà. Et me voilà. Donc, ça y est, ça va mieux. Regardez, je peux me lever. Hop, je ne souffre plus. C'était pas pour montrer mon sexe, mais c'est pour montrer la rapidité d'exécution du truc. Et voilà, s'il y a encore des, il y a des torsions, des trucs que je peux pas faire, c'est difficile de fermer lacets et deux, trois trucs, mais c'est en voie de disparition, et pas moi, mais la lombalgie, et je vais chez un kiné dès lundi prochain, en fait. Voilà, donc ça va mieux, et évidemment, dès mercredi, je reprends le boulot, et là, je reprends les streams, et j'ai 4 jeux à trouver pour mercredi, parce que j'ai pas foutu grand-chose. J'exagère, j'ai préparé quelque chose. J'ai commencé à jouer à Stalker, mais c'est hyper dur, donc je crois que je vais renoncer, en fait. Je vais déballonner, clairement. Peut-être qu'on le fera nous en stream, on verra. Mais se faire tuer toutes les 3 minutes, alors qu'on voit rien et on sait pas par qui, ça va pas m'amuser longtemps, je crois. Voilà, j'ai Flight Simulator qui est pas mal. Je vais peut-être basculer sur Flight Simulator. J'ai trouvé Spyro, qu'on va regarder ensemble tout de suite avant d'aller déjeuner. J'adore Spyro, donc c'est super. Alors attends, des petits conseils de Christopher. Du rameur. Le rameur, c'est bien. Ah, ok, ok. Écoute, moi, j'essaie de faire de la natation et de marcher tous les jours mes 10 000 pas. Voilà. Je vais ajouter à ça le kiné et puis j'ai un coach sportif. Je sais que ça fait rire, mais qui vient une fois par semaine. voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous allez m'aider. J'ai trouvé un jeu pour jouer avec un chroniqueur. Ça s'appelle Rage of the Dragons Neo. C'est un jeu de baston avec des gros pixels. Très, très bien. J'envoie ma petite liste à Game One. Je dis, je sais pas qui je vais avoir comme chroniqueur, mais faudrait pas trop que ce soit Kayane, soit Genius, parce qu'ils vont me pulvériser, ce sera même pas droit. Évidemment, c'est Kayane qui va jouer avec moi. Donc, d'une part, j'ai pas envie de me faire. Elle va me défoncer, un jeu de baston, évidemment. Même si elle l'a jamais vu, c'est sûr qu'elle va me défoncer. Donc, ce sera pas très drôle. J'ai aucune fierté là-dessus. Et puis, se faire défoncer par Kayane, je veux dire, ça arrive à tout le monde, c'est pas moi particulièrement. Mais c'est pas grave, mais quand même, je préférerais peut-être le garder ce jeu pour quelqu'un comme Sora ou New Titeuf ou Julien, ou après, on connaît les jeux ni les uns ni les autres, donc on a nos chances, ça sera plus intéressant à regarder comme match, voilà. Mais et surtout, le truc, c'est que ça fait 2-3 fois que j'ai Kayane en partenaire pour les Level 1 Chroniqueurs, et que je lui ai promis que la prochaine fois, je trouverai un jeu qui lui plairait, parce que chaque fois, je vais faire des trucs improbables, je sais pas que ça va tomber sur elle, donc voilà. Donc, si vous avez une idée de jeu à deux, peut-être en coopération plutôt qu'en affrontement, avec Kayane. Vaut mieux coopérer avec Kayane que l'affronter. bah voilà, j'attends vos propositions. Si vous avez des idées, ça m'intéresse. Et je me mettrai le petit Dragon Rage Neo de côté pour un peu plus tard. Voilà, donc ça peut être pas mal si vous me trouvez cette idée. Et puis je vais recevoir un metteur en scène qui a fait une pièce sur Tesla, qui est un des inventeurs d'électricité. Et j'ai trouvé un jeu qui s'appelle... Tesla versus Lovecraft, qui est assez fou et qui se joue en coopération, qui est très bien. On regardera peut-être cet après-midi ce jeu-là. Voilà. Donc si jamais vous avez une idée de jeu pour Kayane, ça m'intéresse. Et puis on verra ensemble si je continue Stalker, si je bascule sur Flight Simulator. Je sais pas encore, ça on verra demain. Et quel jeu on trouve pour Kayane. Donc on a du boulot. Donc allez, on s'y met tout de suite. En plus, je suis ravi de retrouver Spyro. Il est dans le Game Pass, donc c'est génial. Pour tous les amateurs de Spyro, et ils ont mis les 3 épisodes reunited, ils ont réallumé la flamme de Spyro, et voilà. Donc moi j'adorais Spyro, donc allez, c'est parti, l'aventure continue. Très bien, j'espère que ça vous plaît aussi. Faire le poirier sur une main avec une plume dans les fesses et chanter la macarena, très bonne idée de CO. Je vais essayer. Ah là là, qu'est-ce que c'était beau là, à l'époque, et qu'est-ce que c'est beau maintenant, dis donc. Ils ont bien... Ah bah, oh boring quoi, ça va, j'ai le droit de m'extasier devant toi quand même. Ah oui, bonjour la petite libellule. Ah, des coffres, tout de suite de l'argent, des diamants. Ah oui, c'est resté des diamants. Oh, je crois que j'ai pas joué depuis la PlayStation 1, donc... Et c'était un de mes jeux préférés, c'était un jeu que je recommandais beaucoup aux familles et aux gens qui avaient des enfants. Je trouvais que Spyro, c'était vraiment... Alors, je vais cracher du feu, mais oui, je peux cramer du mouton. Ah, il crame un mouton. Ah, la gueule du mouton cramé. Excellent. Même le gros. Ok. Ah, la tête. Allez, hop.
bon souvenir, c'était des petites arènes. Pas très grandes, mais c'était très bien pour débuter pour les enfants. Parce que, en gros, on pouvait bouger la caméra. Ça prenait un peu à bouger la caméra. Donc pour une première, c'était bien. C'était pas trop difficile. C'était joli et sympa. Il y a un petit dragon. Comment on a envie de... Et c'est marrant parce que, bon, il y a eu trois Spirou, mais après, ils ont un peu laissé tomber. Alors, franchement, on était contre un quatrième. Donc, peut-être que ce Reunite, c'est impossible de penser en français. Reunited. Ce rallumage de Spirou va leur donner envie, si ça marche, de ressortir un nouvel épisode. Ce serait bien. Alors, la bestiole qui m'accompagne est bleue, mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas. Les mini-jeux du 2 sur PS1 étaient un cauchemar. Ah ouais. Je me souviens du premier, je me souviens pas trop des autres. Bon voilà, je récupère du pognon, ça sert toujours le pognon. Ah, et j'ai récupéré une vie. Ouais. Ah ouais, je me souviens qu'on mourait pas souvent. Donc vraiment, je recommandais toujours ça. Pour les familles et les plus petits. Alors par où je suis arrivé? Ah! À la maison. Très bien. J'ai sauvé Astor. Ah oui, il faut sauver des dragons. Après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machinotruc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Ok, bah, pas très sympa. Combien j'en ai à libérer? J'en ai libéré deux. Ah, est-ce que je retourne à la maison direct? Oh, la petite fée clochette! Salut, Spirou! Ah, je peux revoir son petit discours. Après avoir libéré tous les dragons, ok. Traverse ce... Ce que je peux faire, c'est enlever les sous-titres. Parce qu'il parle très bien français. On va virer les sous-titres. Je vais mettre la carte. J'ai peur de me perdre. Et je crois que dans les caméras, il y a des caméras automatiques, passives aussi. Parce que je crois qu'on n'était pas obligé de la bouger la caméra. Ça pouvait jouer assez facilement. Alors j'ai la petite carte en bas, ok. Bon allez, on va retourner à la maison. Oh. Oh, ça fait du bien de retrouver Spiro. Puis de vous retrouver, vous, les gars. Franchement, j'ai l'impression de remettre mes chaussons, là. Retrouver le... Ah, Maman Eggie qui est là. Merci, Maman Eggie, qui m'a donné des petits conseils pour le dos. C'est gentil. C'est gentil, j'ai vu. Vous êtes tous inquiétés de ma petite santé. C'est trop mignon. Colline de pierre. Donc là, j'ai fait les collines de pierre. Apparemment, je saute encore pas assez haut pour aller là. Pas de double saut, ça viendra après. Si je mets caméra active. Non, si je mets caméra active, j'ai pas à me soucier de la caméra. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus... Je peux la bouger quand même moi-même, mais a priori, elle suit ce qu'il y a à suivre. Ok. Est-ce que je peux parler au dragon que j'ai libéré? Oh, toi, t'as du pognon, viens là. On dirait le nain dans Golden Axe. Qui se balade avec son petit sac plein de pognon, puis on peut jamais le... C'est difficilement l'attraper. Quoi, il avait... Ah, il avait comme ça sur lui. Ok. Ah, bonjour. Je vais te sauver Delbine. Où est Nasty Gnork? Je vais lui faire sa fête. Nasty Gnork, le méchant, mais oui. Beaucoup à apprendre avant.
avec la libellule qui t'a suivi. Merci pour les anecdotes sur Tetris à France 2. Joli t-shirt Super Mario. Ah oui, merci. La vie, c'est pas de moi. Oui, oui, il y en a peut-être qui l'ont vu. Je suis passé sur France 2. C'était l'émission de Laurent Delahousse. Ça s'appelle 20h30 le vendredi. Il se fatigue pas trop pour les titres, France 2. Mais par contre, il se fatigue pour les sujets. Parce que ce truc-là est dans les tuyaux depuis. Je crois qu'ils m'ont contacté il y a un mois maintenant. Et donc, ils avaient genre un mois pour faire leur sujet sur Tetris. Qui est vachement bien, et puis il y avait les moyens quoi, ils avaient une bonne équipe, les gars savaient de quoi ils parlaient, et puis il y avait pas mal de trucs avec des figurants, on va faire vol de jour, il y avait pas mal de trucs avec des... ils reconstituaient par exemple Alexis Pajitnov à l'université, les militaires et tout ça, des gens qui essayaient de mettre leur valise dans le coffre de la voiture en mode Tetris et tout, franchement c'était vraiment c'était bien travaillé, c'était bien écrit, c'était, comment dire, intelligent comme reportage. C'était... Ah oh, mais j'avais oublié qu'on pouvait voler. J'ai oublié comment on vole, surtout. c'était... voilà, ça dénigrait pas le jeu vidéo comme souvent la télé. Là. Non, c'était très très bien. Franchement, voilà, du bon travail de journaliste. On a bien retracé le truc... l'aventure de ce pauvre Alexis Pajitnov qui n'a pas touché grand chose pendant ce truc là. Donc franchement c'était très agréable à regarder. C'était long pour un reportage sur le jeu vidéo, hein, d'habitude c'est 2 minutes 30. Là je crois que ça durait peut-être les 20 minutes. C'était vraiment. Et voilà, moi aussi je peux. Alors ouais, ils ont. Ok, ils ont inversé les commandes, et ça se dirige comme un avion. Donc, faut juste que je me... Oh la vache! Est-ce que je suis censé... J'ai un... Ça c'est un temps limité. Qu'est-ce que je suis censé faire? Récupérer des trucs? Merde, mais pourquoi? Quand je fais... Je sais pas pourquoi quand je tente une ruée, il plonge vers le bas. L'émission sur les jouets hier soir sur Game One est top. Ah, j'ai pas vu. Mais je me doute, c'était qui? C'était Archeo Toys? Je sais, j'ai même pas regardé. Oh, maintenant que je suis sur France 2, je regarde plus Game One. Non, c'est bon. Ah, beau coffre. C'est vraiment un problème de... J'ai vraiment un problème, c'est quoi cette touche là qui me fait plonger? Ok, dès que j'appuie sur Y, je sais pas, il arrête de voler quoi. Bon bah je vais pas appuyer sur Y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends pas ce que je suis censé faire. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que quand je me pose, je peux pas redécoller quoi. Bonne soirée, l'arrêt de mon cul. Oui, moi aussi, je suis très content de vous retrouver et d'être à nouveau en forme parce que vraiment. Bon. Donc, tout ça pour vous dire, la période a été les deux dernières semaines. Ça commençait à influer sur mon moral, là, j'avoue. Je peux en encaisser beaucoup, mais là, c'était trop. Ah, c'était trop. Il en faut beaucoup pour que je m'arrête de travailler. Hein. Franchement, je comprends pas comment redécoller une fois qu'on a... une fois qu'on est posé. Il en faut beaucoup pour flinguer le moral, mais là, franchement, j'étais au bout du rouleau. Donc c'était bien de faire un petit break d'une semaine, m'a permis de régler d'autres trucs que j'avais été en suspens et qu'il fallait que je règle, donc c'était plutôt bien pour ça. Ah, ok, là je redécolle. Ok, c'est bon. Ah, ça me semble beaucoup de sauts pour décoller en fait. Ok, bon, c'est juste un truc de vol quoi. Et avec des points à faire. C'est pas le truc le plus intéressant, mais c'est cool.
Je pense pas que ce soit un niveau pour un level 1. Merci Syntaxer. Oui, c'est... commencer à me connaître. Mais c'est bien de savoir que ça existe, en tout cas. Et que on peut aller s'entraîner au vol. Cette petite musique un peu... comment dire... exotique. Oh, parfait. En plus, les enfants, ils adorent faire des trésors. Des rubis, des trucs. Bonjour. Si tu prouves ta Marco, valeur, l'aéronaute, mais moi c'est Marcus. Ouais, bah d'accord. Reviens me voir quand tu... Quand j'aurai sauvé du dragon. Ok. Je crois qu'il aime pas l'eau. La fille qui a pas... Oui, il peut foncer, j'avais oublié. Un petit taureau quoi. Voilà. Est-ce que je peux planer? Oui. Eh ben donc je peux atteindre ça. Ouais. Donc je vais faire ça. Je vais me mettre là, prendre un peu d'élan. Hop là. D'élan, hop, je plane. Ah, je plane pas assez. Peut-être pas besoin d'élan. Faut juste partir du haut du truc. Je bouge beaucoup la caméra. Ça va, vous avez pas envie de vomir? Ah non, 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 pas du tout. Double saut. J'ai essayé de guider mon vol, mais ça n'a pas marché. C'est pas comme tout à l'heure quand je volais. Ah, quel con, j'ai raté le. J'ai raté le coffre. Oh ok, faut faire double saut, planer un peu. Mais on n'a pas les commandes de vol comme sur comme tout à l'heure. Faut pas aller au bas. Bon. J'ai prévu quoi pour les autres levels, demande Mamrik. Alors, je voulais faire Stalker. J'ai commencé à jouer. Le premier niveau est dans le noir. Je n'y vois rien du tout. Je me suis fait buter, mais on en quelques claques de fois. Voilà, putain, j'ai baissé la difficulté pour me mettre en mode fastoche. Et vraiment, c'était l'enfer. Faut dire que mon vidéoprojecteur est vraiment fatigué. Ah, je me suis acheté un nouveau vidéoprojecteur. J'ai profité du Black Friday. Pas du Brakmar, autre chose. Il vaut 2500 balles normalement. Là, j'ai dû les trouver à 2000. C'est pas mal. Donc voilà, je l'ai commandé, ça devrait arriver dans les jours qui viennent. On aura plus ce problème d'obscurité. Voilà, mais bref, pour Stalker, en tout cas, je l'avais encore, ce problème d'obscurité, et c'était vraiment difficile. J'ai réussi à sortir du niveau qui était vraiment dans la nuit, et j'ai commencé à travailler un peu sur un niveau 2 jours, mais c'est un monde ouvert et impitoyable, quoi. C'est la route. Vraiment, ils sont sans pitié, quoi. Sans pitié. Salut, Spiro. Ah bah, j'ai déjà vu le dragon. Ok, on va aller voir autre chose. Donc Stalker, j'hésite. Je me dis peut-être qu'on pourrait le faire ensemble en stream. Là, j'avancerai un peu dedans. Mais là, dans l'état actuel des choses, je crois que j'avance vraiment beaucoup pour pouvoir le faire. Et je crois que je vais pas avoir le temps. Donc je vais peut-être plutôt faire Flight Simulator. J'ai commencé à m'amuser un peu avec et je trouve ça très sympa. Et il est dans le Game Pass. Enfin, j'upgrade mon projet. Ouais, tout à fait, bon blessé. Et sinon... donc j'ai un jeu de baston Rage of the Dragon Neo, mais comme c'est avec Kayane que je dois le faire, j'ai peur. Donc si vous avez des idées, ah oui, j'ai pas regardé vos réponses, si vous avez des idées de jeux jouables à deux plutôt en coop, je pourrais faire avec Kayane, ça m'intéresse. Et le dernier jeu, ça va être Tesla versus Lovecraft, qui est un jeu de comment dire, d'action quoi, voilà, c'est sympa. Ah voilà, là j'étais pas allé. Et que je vais faire avec, j'ai oublié son prénom, mais c'est un metteur en scène qui a fait une pièce qui se joue à Paris sur Tesla justement, Nikola Tesla qui est un des inventeurs d'électricité. Donc voilà, un vidéo projecteur 4K 1080p, voilà, recommandé par Pepe Garcia.
recommandé genre il y a 4 mois, je crois. J'avais demandé, il me faut lequel. Il me dit Epson TW94. Mmh. J'ai l'impression d'être un fan. Et voilà, donc j'en démordais pas. Depuis tout ce temps, je surveillais, je voyais si, est-ce qu'il y avait des baisses de prix, parce que quand même 2005, c'est quand même une somme. Alors même si c'est travaillé, hein, moi je m'en sers pour travailler essentiellement. Bien sûr, parce que jouer, c'est travailler pour moi. Voilà, c'est quand même une somme et je ne l'avais pas. donc voilà. Là, ça va. J'ai fait pas mal de salons, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps qui me permettent de m'offrir ça. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, si je peux l'avoir à un prix intéressant, je vais pas me priver. Donc je guettais le Black Friday et j'ai trouvé un site où il faisait pour un peu moins cher que les autres. Voilà. Quand même cher, c'est cher. Et un mois de salaire, donc. Faut quand même que j'ai besoin vraiment. Ça fait... Mais après, le mien, il a 15 ans, mon vidéoprojecteur. On l'avait acheté du temps de No Life. Grâce à vous, d'ailleurs. C'est grâce à vos contributions à Noco à l'époque. Pour regarder No Life chez vous. Et No Life a pu m'offrir ce vidéoprojecteur. Mais qui coûtait quand même moins cher. On n'avait pas pris un modèle cher, je crois. Un modèle moyen de gamme, en même temps. C'était pas une merde, c'était pas non plus un truc super, mais c'était bien. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. On me livre quand? Normalement mardi ou mercredi. Ça fera le temps que je le. Fera le temps que je le prenne en main et que. Et je le branche au plafond. J'espère que la fixation est la même. C'est un... c'est... Le mien est déjà un Epson. J'espère que ce sera la même fixation. J'ai pas, j'ai eu la flemme de décrocher celui-là pour vérifier. En plus celui-là il y a de la poussière qui s'est foutue dedans. Et donc j'ai, de la, j'ai des espèces de taches sur l'écran qui sont en fait de la poussière qui se regroupe. Donc c'est encore plus moche. Déjà que c'était pas très lumineux, mais en plus c'est moche. Donc il aurait fallu que je le décroche, que je le dépoussière pour le nettoyer, pour enlever ces taches. Mais comme je savais que j'allais pas tarder à acheter un nouveau, je me suis dit bon. D'abord acheter le nouveau, je descendrai l'ancien, je nettoierai, puis je le mettrai dans le Jura. Dans le Jura, j'ai déjà mon ancien vidéoprojecteur, on se fait des séances de cinéma l'été, on projette sur le mur de la maison des films. C'est pas un grand écran. Donc j'adore. On aura une meilleure qualité, parce que quand même celui-là est meilleur que celui que j'avais encore avant. Et d'ailleurs au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on l'avait, changé. Avec No Life, mais il tient encore un peu. Donc je peux quand même encore faire des petites projections. Il sert pas souvent au Jura, donc la lampe peut encore tenir quelques projections. Bah, je suis pas mal. Hein. C'est pas sur la carte. On voit pas grand chose sur la carte. En fait. Mais il respawn ou quoi? Je l'ai pas déjà tué vous? Ah. Donc, vous avez des boucliers en bois. Quelle bonne idée. Voilà. Ah voilà, il y a un dragon ici. J'ai pas vu tout à l'heure. Voilà. Alors des idées pour un level run, c'est sympa. Oui, mon syntaxeur. Combien ça pèse un truc comme ça? Je sais pas. Mais je devrais m'enseigner parce qu'en fait, je suis au-dessus de ma tête. Si jamais je décroche, bon, ça fait au moins 5, voire 7 kilos. Il ne peut pas charger les grands ennemis. Même s'il tombe que 2 mètres là, mais ça doit bien réveiller quand même. À la maison déjà, est-ce que j'ai tous les dragons qui étaient ici? Je crois pas. Hein. Pas sûr d'avoir exploré tous les recoins, je pense qu'il y avait. Peut-être des astuces, des trucs à. Des murs à défoncer, des. Là, on sent qu'il y a quelque chose, par exemple. Ouais, sur le dessus, il y a un petit diamant. Voilà. C'est beau, ce petit ciel étoilé. C'est très. C'est très cartoon, Spyro. C'est vraiment chouette. En tête peut-être pour rien, mais ça vaut le coup quand même de aller voir. Ouais, bon, juste pour ça, je pense que ça va pas le coup.
Les musiques sont jolies, c'est sympa. Ah, ben voilà, je t'ai pas passé par là. Il faudrait cramer les fesses avec son petit pagne. Ah, mais oui. C'est pop. C'est bien, c'est pas trop dur. C'est reposant. L'autre dragon que j'ai pas sauvé. J'aimais bien Spyro vraiment. C'est le premier, on est sur le premier. Yumi Yuki, voilà, faut que je me refasse. Un crevard, très beau pseudo. Et aussi Play Simulator pour faire un remake de Yati Lapio dans l'avion, tout à fait. J'adore tellement Yati Lapio dans l'avion. Alors pour un crevard et les autres avec des pseudos rigolos, je vous rappelle que le jeudi soir, je remets des prix au meilleur pseudo et au meilleur van. N'hésitez pas à passer. À revenir là, je suis censé être concentré sur le jeu, pas trop vous raconter ma vie, mais je peux pas m'en empêcher. Ah, une petite clé. Mais couvre-t-elle? J'ai rien vu avec un... Pas vu de porte jusqu'ici. J'ai pas écouté ce qu'ils disaient. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Ah, ok. Ah, et voilà, c'est vrai. Il y avait cette vue. Parce que là, j'ai les deux sticks. Mais à l'époque, sur la PlayStation, il n'y avait qu'une seule. Il n'y avait même pas de stick analogique, c'était... pavé. Et du coup on pouvait et ça c'était nouveau pour l'époque, ouais, tiens, oh là là, faudrait que je dise ça, c'est on n'était pas habitué en fait à des jeux vraiment en 3D. Il y avait Tomb Raider, avait été un des premiers à permettre de regarder tout autour, mais en général fallait laisser appuyer sur une touche et utiliser le même pad qui vous servait à vous déplacer pour comment, pour diriger le regard. Alors, est-ce que quelque chose sur la carte m'indiquerait où utiliser cette petite clé? Ce serait tellement sympa. Mais bon, pas nous. Faut me mâcher le travail. Et t'es encore là, quoi. Faut me mâcher le travail, il va être là, il est monté. Mais comme j'ai beaucoup parlé et que j'ai pas beaucoup joué, je vais m'avancer un peu là-dedans. Peut-être l'heure du déj. Ouais. Je sais qu'il y en a plein qui regardent pendant qu'il déjeune, c'est bien. Ah, là, là-haut, il y a un petit coffre. Que je n'ai pas encore récupéré. Est-ce que manger des crapauds peut... Un crapaud grillé, ça fait quelque chose. J'ai l'impression que ça plaît à mon moustique, là. Parce qu'évidemment, lui, il doit se faire bouffer par les crapauds la plupart du temps. Là, il se venge. Ah, c'est peut-être la clé du coffre. Tiens. Bim, bim, boum, bam, bam, je suis riche. Très bien. Incroyable, Spyro sur ça. C'est tout à fait Golden Mini. J'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est fait vieux, dit Katari. Tu trouves? Moi, je trouve qu'ils ont bien... Regarde, il est bien modélisé. Il n'est pas des gros carrés comme à l'époque. La végétation était un peu bluffante au début, j'ai trouvé que les petits brins d'herbe, ça rendait bien. Je vais par là. Oui, j'en viens. Et bah allez, je retourne. Est-ce que sur la carte ils indiquent? Non, ils indiquent. Démerdez-vous. Les musiques sont jolies. La DA est jolie. Spyro, c'est joli. Tout à fait. Katari. Oh, Katariko. Tu parlais pas du jeu. De quoi tu parlais? Ah, je peux me pencher vers l'avant. Croyez-moi, ça n'a pas été toujours le cas. Tu fais vieux. Ah, tu parles de moi. Eh ben, moi, oui. Les graphismes sont moins bien qu'avant. Spyro, Spyro, il est plus beau. Ouais. Et moi, non. Je sais pas, ça se dégrade, hein.
Oh putain, vous m'auriez vu la semaine dernière. Là. Je pense des gens qui m'auraient vu la semaine dernière, c'est un peu me connaître. Je ne comprends pas mes péripéties. Se dirait, oh la vache, il a pris un coup de vieux. Ah merci Zinzin, c'est gentil. Et il a pris un sacré coup de vieux. Donc, mais vraiment, j'étais Joe Biden, quoi. J'ai même du mal à marcher au réveil le matin, par exemple, ou quand je me levais. Il fallait 5 minutes pour retrouver une marche normale. Ah ouais, et je boitais d'un côté. Enfin, je boitais. Je penchais d'un côté. J'étais comme ça. On aurait dit le bossu de Notre-Dame, quoi. Tout le corps s'affaissait d'un côté. Et quand j'essayais de redresser, je redressais comme ça, mais j'étais toujours tordu. C'était horrible comme sensation. Mais vraiment... Oui, c'est un peu l'avant-première de, de ce qui va peut-être m'arriver plus tard. C'est moche parce que si vraiment c'est ça, c'est moche. Mais comme dit un mec dans Braque de comptoir, je préfère crever plutôt que finir à l'hospice. Faut pas les dire. Tu feras les deux. C'est pas réjouissant, mais c'est drôle. Donc voilà, je me dis, oh la vache, si j'arrive là, ça va être compliqué. Les collines de pierre, je l'ai déjà fait, mais est-ce qu'il y a un truc qui indique combien il reste de dragons à sauver là-dedans? Arrête de décrire mon état, dit maman. Ah oui, maman est geek. Oui, alors, j'ai vu quelqu'un qui disait comment. Je vous ai mis un petit message pour dire que j'étais malade et que j'allais pas bien travailler. Et quelqu'un, pas très gentiment, a dit « Ouais, bah, te plains pas avec le métier que tu fais, franchement, il y a des gens qui font des trucs plus durs. » Et j'ai pas répondu, mais je me plaignais pas, évidemment, je relativise. Et maman et Geek, on s'est vu, je sais à quel point, toi, c'est ça tout le temps. donc, je sais à quel point c'est difficile, beaucoup plus que pour moi, hein, et c'était pas, je me victimisais pas du tout. Et l'idée, c'était pas de dire « Ah, oh, c'est moi qui souffle le plus au monde, c'est pas du tout. » Concours de ceux qui souffrent le plus, c'est juste que moi je suis pas habitué et c'est très dur à encaisser et à continuer de travailler dans ces conditions là. Voilà, malheureusement il y a des gens qui vivent ça tous les jours et vous savez à quel point je compatis et je comprends tout à fait la difficulté de ça. Et puis en plus, le truc un peu injuste quand on vit ça, pour les vieux surtout, c'est que bah, c'est des souffrances vraiment intolérables et insupportable et injuste, quoi. Et on peut pas trop s'en plaindre parce que on passe pour le vieux con qui est toujours en train ah, j'ai mal là. Allez dire oui, bon, bah t'es vieux, c'est comme ça. Et je me dis, ouais, donc je comprends les vieux qui passent leur temps à parler de leur souffrance parce que quand ça arrive, c'est tellement injuste. Ça me tombe dessus sur moi, j'ai rien fait, de mal et ça me tombe dessus et c'est horrible et c'est insupportable. On a envie de le dire aux gens à quel point c'est insupportable et invivable en fait. Et donc voilà, donc je comprends les vieux qui se plaignent, et je comprends aussi les gens malades, bien sûr, qui se plaignent de leur douleur, parce que tout ça est interne, donc d'extérieur ça se voit pas forcément, parce qu'en plus ces gens souvent font l'effort de faire en sorte que ça se voit pas de l'extérieur, ce qui est extrêmement courageux, et de pas se plaindre, mais ils auraient bien le droit de se plaindre, et bien raison de se plaindre. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait faire des roulades sur le côté, ça je peux pas faire moi par exemple, des roulades sur le côté là actuellement. Voilà, mais tous ces dragons que j'ai pas sauvés. La différence de Joe Biden, lui, il monte dans Air Force One, et toi, c'est Air Transit. non, c'était Air France. Et même Air France, hein, c'est pas confortable, les avions de ligne comme ça. Pour des petits... c'est pas des longs vols, donc... Y a pas d'écran de télé dans le truc, y a pas... voilà, tout ce que... Quand j'allais à Los Angeles, on avait quand même des avions, on prenait Air Tahiti, souvent. Et c'était vraiment des beaux appareils avec quand même de quoi faire patienter pendant le vol. Là, on avait un petit truc à grignoter, mais vraiment, c'était la loose. Puis les sièges étaient vraiment des sièges d'avion, quoi. Vous avez les genoux qui touchent le truc de devant. Et il y avait aucune... Je pouvais adopter aucune position pour soulager mon dos. Je pouvais pas étendre les jambes. Je pouvais pas les mettre sur le côté. Je pouvais pas... me mettre en tailleur, il y avait rien d'autre que la position assise normale. Et c'est une torture, quoi, pendant 3 heures, le temps du vol. J'ai bien morflé. Mais encore une fois, c'est pas un concours de ceux qui morflent le plus, et je respecte totalement, évidemment, ceux qui souffrent, et surtout ceux qui souffrent en permanence.
Sur les salons, malheureusement, je vois beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, des vraies saloperies, des maladies orphelines. Tellement injuste. Chaque fois, ça me bouleverse de vous voir. De voir des gens gentils, sympas, qui n'ont rien à personne, qui sont bienveillants, prêts à partager leur amour du jeu vidéo. Et c'est bam, c'est sûr que ça tombe. C'est vraiment l'injustice. Dans la maladie, la mort aussi, il y a vraiment ce côté injuste. Je crois que c'est le pire truc, peut-être. Il y a de la douleur, c'est déjà dur, mais l'injustice du truc. Les gens, ça tombe. Souvent, ça tombe pas sur Poutine, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Ça devrait tellement. S'il y avait un peu de karma, vraiment, je sais dans quel état il serait, le salaud. Voilà. C'est malheureusement, non, ça tombe sur des gens gentils. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est ça. Donc, affligé de voir ça. Il y a ça et l'impuissance, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les aider. Parfois, on peut pas sincèrement et aider quand on peut aider. Parfois, il y a des maladies orphelines, quand c'est le pesticide d'action, par exemple, nous, chaque année, avec Julien, avec Game One, ben voilà, on essaie de récolter des fonds pour ça. Quand il y a Zerator qui fait des trucs, pareil, le télécom, toutes ces choses. Il y a des choses qui peuvent aider, on peut aider un petit peu. Mais malheureusement, on ne peut pas soulager la douleur comme ça, là, nous, en claquant des doigts. Alors, on aimerait tellement, même prendre la douleur des autres, tellement. Prendre une petite heure, on se relaierait. À moins geek, on prendra chacun une petite heure de merde, là. Ce serait pas mal, on s'y mettrait à plusieurs. Chaque jour, on prend 7 heures, déjà. On se met à 7. Tous les jours, on prend une petite heure la douleur que t'as, tu vois. Bon, voilà, il faudra quelqu'un qui arrive à trouver un truc pour échanger. Souvent, hein, quand on a des gens qu'on aime qui ont des douleurs, on a envie de prendre leur douleur. Il y a une chanson de. Je vais prendre ta douleur. Camille, non? C'est pas Camille qui chantait ça? Si vous êtes déjà arrivé d'avoir des gens qui souffrent autour de vous, je pense que vous l'avez vécu. Des fois, moi, je leur ai donné cher pour prendre la douleur de quelqu'un. Parce que c'est intolérable de leur souffrir, quoi. Si vous avez des enfants, qui ne sont pas bien. Puis, tiens, allez, moi je suis grand, je prends. Donne. Donne. Alors j'ai 9 dragons et au bout de 10, j'ai le droit d'aller faire du ballon. Alors ça vaudrait le coup quand même. Je sais plus s'il y a des sauvegardes. Non, c'est pas de forme. Okay. Alors où est-ce que je ne suis pas allé? C'est pas parce que il y a pire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Oui, tout à fait, très bien. Surtout quand on est un crevard. Non, non, bien sûr, bah, chacun vit le truc à son échelle. Un ongle incarné, c'est horrible. C'est rien, mais c'est horrible quand ça tombe dessus. Tu te coupes le doigt avec une feuille de papier. Sur le coup, c'est horrible. C'est vrai. Donc voilà, chacun voit le truc à son échelle. Alors, sur cette carte, il n'y a rien indiqué. Sur les endroits où je pourrais aller. Je vais retourner quand même vers le milieu. Il y avait quand même 2-3 portes. J'ai ouvert des trucs sans m'en rendre compte. C'est la fée qui sauvegarde automatiquement. Ok. Donc, vous savez que ça m'arrange pas pour un level 1. C'est-à-dire que... Malheureusement... Dans un level 1... Ok, là, je retourne à la maison. Dans un level 1, j'aime bien pouvoir reprendre une sauvegarde. Et pour vous montrer un niveau que j'ai déjà vu avant et que j'ai déjà préparé. Ok, là, il y avait un dragon. Ok, là, j'ai tout fait. Je vais vraiment finir ce niveau. Pour être sûr, je ne laisse rien. Et après, je rentrerai à la maison. Ah, d'après la carte, j'ai tout fait, là. Je regarde la carte. Je la lis mieux en bas sur mon écran, en fait. Quand j'aurai mon vidéoprojecteur, ce sera beau partout. Ok. Bon, bah, je pense que j'ai tout fait. Gros putain. Là, c'est exagéré comme pseudo. Il a lâché un gros putain. Allez, comme ça. Allez, comme ça. Je suis pas sûr que ça gagne le meilleur pseudo, mais ça m'aura fait rire en tout cas. Y'a que chez moi pour trouver des pseudos comme ça.
Voilà, je sais pas si ça sert à grand chose, c'est juste pour s'amuser qu'on crame les moutons. Allez, on rentre. Le puits, j'ai fait. Il y a qu'un seul puits, j'ai pas. Donc c'est un deuxième puits, ça. Non, ok, c'était. Un puits, j'ai déjà fait. Ok, très bien. Vérifie quand même. Oh, j'ai tout vu là. Il me semblait avoir vu un deuxième puits quelque part. Non, ok, bon, bah j'ai tout vu. Allez, on rentre. Je vais rentrer en courant. Ah voilà. Je pense. C'est rigolo de voir. C'est comme ça. Allez hop, à la maison. Oh Mimi, ce petit jeu. Tout à fait. Ah la miss, sa miss. Graou, caramel, tu as changé. C'est très bien. C'est la trilogie, tout à fait, mon petit facteur. Non, je suis pas parti là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Tout à fait. Donc là, on est sur le premier. Ça vous, on jettera un petit œil aux autres tout à l'heure peut-être. Je vais jouer jusqu'à 13h et puis à 13h on ira casser une petite route. On reprendra cet après-midi. Alors où est le dernier dragon? Est-ce que la petite libellule me montrerait pas quelque chose? Ah bah voilà, mon dixième. Thomas. Ouais, je sais pas ce qu'on fera, je le dis comme... stream. De quoi? De tomber des pics de montagne? Vous avez des envies? Je sais pas, j'ai pas regardé ce qui sort cette semaine. Il y aura peut-être des trucs. On va pas tarder à arriver à Indiana Jones, là. J'ai hâte, là, j'annonce. Il va y avoir plusieurs streams sur Indiana Jones, je pense. J'ai vraiment hâte. Alors, est-ce que là, je peux sauter? Non. Je saute de plus haut. Ah, bah voilà. C'est joli, ces petites... La place du village. Très bien. Bon, je verrai ça. Ah, oh, quel con! Mine de rien, c'était aussi un des premiers jeux de plateforme en 3D. Et ça montrait que ça marchait très très bien. Même pas par rapport à au premier Mario en 3D sur N64. Est-ce que ça c'était avant, pendant, après? Après, je peux bouger, voilà. Là, il court vite, mais moi aussi. Ça y a une petite musique, je pense, de... Ouais, tout ce qu'il a lâché. Eh ben allez, allons voir la place du village. Indiana Jones, la version... C'est vrai que là, c'est... Les vieilles vannes d'époque. J'avais fait... C'est vrai que je retrouve... Je faisais de la BD à l'époque. J'avais fait un dessin, vous voyez. Indiana Jones, un mec avec les yeux bridés et tout. C'est ça la blague que je pourrais plus faire aujourd'hui. Donc il faudra détruire ces trucs-là. T'es nul. En fait, moi j'aime bien les blagues racistes si c'est drôle. Vous savez, c'est mon truc hein, sur, là-dessus. Ça me pose pas de problème qu'une blague soit raciste si elle est drôle. Mais là, c'est pas très drôle en fait. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de se fâcher avec des gens pour une blague pas drôle.
Et je sais plus où j'étais retrouvé là-dessus, j'avais fait voir Bioman Jaune. Ça avait beaucoup carré, évidemment. C'est le premier à faire des vannes racistes sur les Asiatiques. Bon, Francis qui, vous savez, est asiatique lui-même. Enfin, d'origine asiatique, en tout cas. Et qui se surnomme, il dit, je suis l'ombre chinoise de Marcus. C'est vrai qu'il est tout le temps avec moi. Et ça, c'est drôle, vous voyez. Une blague, c'est même pas raciste, c'est pas méchant. Mais c'est drôle. C'est drôle que les Bakani qui appellent leur copain asiatique grainerie. Ah, taureau contre taureau, là, quand je lui fonce dans les cornes, il n'aime pas ça. Est-ce que je peux griller du taureau? Ça a un intérêt, oui. Parce que là, ils sont plantés les cornes dans le truc. Bah, moi, je dis pour un level 1, je peux bien prendre ce Spiro depuis le début. Ça a avancé, expliquez pourquoi c'est si bien. Est-ce que je ne sais pas où je vais aller. Là, hop. Oh non! Ah, ce dragon n'aime pas l'eau, c'est vrai. Ça m'a coûté une vie ou pas? Je sais pas ce qui se passe quand on a plus de... Michel Hebb est toujours vivant au pire. Oui, c'est vrai. Vous lui demandez. Michel, rends-nous un service. Allez hop. Tout le monde tombe sur ce pauvre Michel Hebb. Mais tout le monde rigolait à l'époque. Hein. Bah, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Ça faisait rire la France entière, donc à un moment faut assumer, on a été un peu con, on a été un peu con quoi. Mais le montrer du doigt lui, pour les gens de ma génération, franchement, c'est un peu failloté quoi. C'est un peu la commande tour quoi. Ah lui. Mais moi non, ouais, moi je suis allé voir ses spectacles, j'ai bien rigolé à ses sketchs chez Dilux, mais j'y suis pour rien. S'il n'y avait pas des gens pour le regarder et rigoler, il n'aurait pas duré longtemps, Michel Hebb. Donc, l'époque était comme ça. Voilà. Merci, Spirou. Ah, un gâteau, bah voilà. C'est évidemment toujours quoi, c'est l'heure de déjeuner qu'on voit des trucs qui donnent envie de manger. Est-ce que je vais aussi présenter Spirou 2 et 3? Je pense pas. Je pense qu'en un level 1, j'aurai le temps d'en faire un. Enfin, j'ai pas le temps d'en faire un, mais on peut commencer, on va dire. Peut-être on va acheter un œil. Peut-être finir ce niveau, puis après on va peut-être lancer le 2 pour voir. Je dirais avec le 3, je sais pas. Oh, il est petit quoi. Il y a des hautes marches pour un petit dragon. Voilà, c'est bien que. Un peu n'importe quoi. Plus que c'est un jeu qui ne prenait pas la tête, ça, j'en ai bien. Il a une bonne tête, le dragon, tout à l'heure. Ah, il se fait une brochette. Il a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. Techniquement, je trouve que c'est pas à la ramasse. Hein. C'est bien. Bonne journée, Katari. Bon appétit, si tu vas à la cantine. Prends pas les crevettes, si tu veux. On tient à toi. Là, les cantines, en général, moi je travaillais au PTT, donc la cantine des PTT, c'était bien, c'était pas cher. Mais on avait pour ces 11 francs à l'époque. Là. C'est comme ça que j'ai pris 10 kilos en 2 mois. Quoi. Jamais reperdu depuis. Mais il y avait certains trucs, c'était pas très frais. Fallait pas... Ah, mais je peux pas retourner de l'autre côté. J'ai pas les ailes assez hautes. Ok. Salut Soleil. Ce sur Play 2 avec les singes était fou. J'étais amoureux de la dragonne noire. Avec Spiro. Ah, ça mérite qu'on s'y intéresse. Merci Soleil. Ah, parce que peut-être qu'on peut jouer à deux à Spiro 2, tiens. Oh, mais alors attendez. Parce que si on peut jouer à deux, je peux le faire avec Kayane et j'évite les ennuis. Oh, regardez. C'est des dominos. Il y a une petite réaction en chaîne là. Ce produit. Est-ce qu'il y a un des Spiro qui se joue à deux? Tiens, bonne question. Est-ce que quelqu'un peut checker ça vite fait sur Google ou je sais pas quoi?
Parce qu'il me semble bien qu'il y en avait un qui se jouait à deux. Et un petit dragon va trouver ça mignon, Kayane, je pense. C'est un bon jeu, Spyro, pour une fois, c'est pas un jeu de merde. Je préfère ça. Et puis, à ce moment-là, Flight Simulator passerait en level 1 direct. Et il faut que je trouve un autre jeu à faire tout seul. C'est faisable. Non, pas de multi sur aucun Spyro. Celui sur Wii, c'est sûr qu'il se joue à deux, je l'avais. Ah! Et c'était lequel alors, Soleil? Le 3? Et votre préféré, c'est le 2? Ok. Mais alors, à quoi, Soleil, du coup, comment il a fait pour jouer à 2 sur Wii, Spyro? Ou est-ce que c'est une fake news, Soleil? Soleil. Moi, j'ai confiance dans le Soleil. À voir. Un double dragon serait pas du luxe. Oh, oh. Putain, je suis fatigué, je n'avais pas vu venir tout de suite. Ah, bravo, la bif ne fait pas le moine. Ah, ça pourrait être nominé, on serait jeudi soir, ça serait nominé. Bien joué. Donc là, je suis revenu à l'entrée du village. Est-ce que j'ai vraiment bien fait ici? Ça manque un peu de savoir combien il y a de... Mais il y a deux dragons dans chaque. Ah, il y en a là-haut, il y en a un là. Bon, je fais le problème. Apparemment. Là, j'avais bon. Et là, je suis descendu. Ok. Donc j'ai au moins laissé un dragon là. Voilà. Et là, quand je remonte à droite, ah, à chaque fois, j'ai envie de sauter ici. C'est moi ou c'est rangé dans son antre à Marcus? J'ai rangé parce que je savais que vous veniez. Et il y a encore une heure, s'il y en avait partout. J'ai des chaussettes. Les chaussettes. Tout ce que j'ai ramené de la Comic Con Alger, on m'a fait pas mal de cadeaux. Donc. Pas mal de trucs, des bouquins que j'ai reçus. Renault, le capitaine du Nexus 6, a fait un super bouquin sur les univers de science-fiction. Je le montre, je crois que je fasse un petit tweet. J'ai pas eu le temps, du coup, je l'ai reçu, je suis parti, j'ai pas eu le temps de. Ah, il y a un toréador, attends. Aider. Du coup, voilà, il y a plein, j'ai tellement de trucs en retard. Et même cette semaine de un peu off, ça n'a pas trop permis de récupérer le retard. J'ai récupéré le retard sur beaucoup de trucs, mais pas sur ça, heureusement. Les poulets, je peux faire des poulets grillés. Ah, il est là! Il est là, l'autre dragon, mais comment je fais pour sauter? Peut-être de la fontaine. Ah, la grimper. Ah, écoutez-moi la paix! Peut-être je peux sauter sur le dos d'un. Parce que là, on peut y aller. Alors, est-ce que je peux sauter? Non, il m'empêche d'avancer au-dessus de cette fontaine. Ok. Voilà. Moyen d'y aller là, c'est pas possible. Salut Madness Osbion. Le menu carnet donne la progression du niveau. Ah, merci. Merci, non mais... C'est là... Au début, je m'étais dit, ok, je vais streamer pendant que je prépare les level 1, mais je m'occupe pas des gens. Parce que ça me fait perdre du temps. Mais en fait, vous m'en faites gagner, donc c'est très très bien. C'est parfait. Alors là, nous sommes dans la place du village. Nous avons fait 58%.
105 sur 200, c'est les trucs que j'ai trouvé. Est-ce que je peux savoir combien j'ai trouvé de dragons? 3 dragons. Ça me dit pas combien il y en a au total. J'en ai 13 en tout. 93%. Alors en fait, le pourcentage m'indique ce que j'ai trouvé, quoi. Quelqu'un a une idée? Si je me mets là... Qu'est-ce qu'ils aient, ce dragon? Spiro, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Un gars en bleu. C'est pas le toréador? Est-ce que quelqu'un sait comment monter là-haut? Ceux qui sont encore noircis, ce sont ceux que tu n'as pas trouvés, non? Et il y avait des dragons noircis. Ah oui, je les vois pas! Oh, merci! En fait, voilà, sur mon vidéoprojecteur, je vois que les trois dragons verts. Je vois pas les silhouettes en bas, là, par exemple, d'un dernier dragon, effectivement, et ni de l'œuf. Là, il n'y a pas de silhouette. Là, il y a un œuf en silhouette sous Gildas. Et là en dessous, il me manque un dragon là, chez les artisans. Le vol de jour, j'ai rien foutu. Ok, et bah comme quoi j'ai bien fait de prendre un nouveau vidéoprojecteur parce que. Non, avec celui-là, je vois pas grand chose. Donc si personne a une idée pour atteindre ce. Ah, il est là, comment faire? Il y aura un truc pour monter en hauteur. Ou alors c'est d'en face, mais en face, je voyais vraiment pas comment faire. Faut que tu ailles vers les escaliers et que tu prennes de l'élan pour aller en face. Donc là où j'étais au début. Là, je vois pas d'escalier. Pas de tête. Peut-être que là, je pourrais voler sur le côté. Genre comme ça. Ce serait ça? Ce serait ça. Ouais. Oh, merci. Alors, c'était pas ça exactement. Et voilà le gars en bleu! Et voilà le gars en bleu. Le voleur d'œuf. Oh, tout c'est quoi? Oh, merci, grâce à vous, je suis riche. Bravo! Alors là, il me faut un bon élan, je pense. Oui! Super. J'ai sauvé Thor. Très bien! Oui, c'est comme ça. Merci, Nico. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au... Oui, il me donne les mêmes conseils que vous, mais après vous. Ah, bravo, là j'ai trouvé tous les drames. Et ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je pourrais marcher dessus? Ça me ferait tourner. Oui! Ça me prend trop très vite. Et il est où le petit con avec son œuf? Que là il s'est barré. Ouais, j'ai pas eu l'œuf. Où il est?
C'est de l'autre côté, peut-être. Donc, maintenant que je l'ai vu, j'ai envie de le trouver quand même. Il est là. Paf. C'est moi ou c'était un cri de Willem? Oh. Oh. Je sais pas si je l'ai ou pas. Oui. Il y a bien un œuf, ça. Tiens, du coup, les grilles, je n'avais pas fait. Non, j'ai toujours pas l'œuf, donc j'ai raté le gars en fait. Alors en fait, dans chaque village, tu as un voleur qui a un rire de farfadet et malicieux. Il est généralement caché sur les bords des cartes. Faut taper un bon speedrun pour le taper ou le brûler. Je sais plus, et récupérer l'œuf. Il a pas de barre de vie, je crois pas. Je crois qu'il y avait une espèce de petit. Tout à l'heure, quand j'avais la. Ça, j'avais le nombre de vie restante, il y avait un truc autour de sa tête. Je sais pas à quoi sert la petite libellule en fait. Est-ce qu'elle est censée m'indiquer des trucs à des moments utiles ou c'est décoratif? Je vais voir si le petit bleu est pas par là, mais. Bon, allez, bon, on va finir ce niveau là. Je retourne faire le truc de tout à l'heure. Oh, il est remonté. Il est remonté. Oh, le relou. Tant qu'il mène à rien. Allez, je réessaye une fois si j'y arrive pas. Oh non, j'ai raté mon saut. Hop. Oh, allez. Voilà. Allez, j'y crois. Oh là, je l'avais là! Mais vraiment, on va mettre bien ça en même temps. Pour être habile. Oh non, j'ai eu bon! Allez, allez, allez. Voilà! Ah là, il y a une petite injustice. Là non, c'est pas juste mauvais. Non, trop large. Pile bélule. Il faut que tu montes là où t'es et que tu fonces sur lui. Ouais, mais faut déjà qu'il tourne. Arrivez-vous les poulets. Voilà. On va foncer. Ah non. Bon allez, c'est relou, tant pis. Je retourne par là. Quelle heure est-il?
Allez, on jette un petit coup d'œil à Spyro 2 pour voir. Proto-artisan. Bon, en tout cas, bien sympa. Le bon vieux Rage Quit. Ah, oui, oui. Ouais, non, franchement, moi, c'est comme ça. On veut bien y passer des heures, mais forcément intéressant. Est-ce qu'on n'irait pas voir... Voyons voir s'il y a un mode de joueur. Juste ça. Et après, j'irai voir le 3. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui. J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Allez, parti pour la musique exotique. Une bonne sieste après les streams Dragon Quest. C'est vrai, Golden? Et jusqu'à Dragon Quest 4. Je voulais le faire parce que je croyais que c'était Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, qui est le seul Dragon Quest que j'ai fait, seul RPG japonais que j'ai bien aimé. Et en fait, non, c'est Dragon Quest d'avant et ça me prend pas pour ça. C'est peut-être pas une bonne idée après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto. Est-ce qu'on va voir la dragonne noire dont t'étais amoureux? Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto. Ah, on va aller aider les gens. Parce que nous, on est en vacances, hein, on n'est pas là pour bosser. Voilà notre dragon. Wow, quel atterrissage. Salut, c'est par où, la plage? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Ah, il va cramer. Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Ça bigueule. Un dragon? Vous avez amené un dragon à Valar? Je hais les dragons. On va très doué. Parce qu'il a la bouclée quand même. Gueule, espèce d'imbécile! Tu as mangé mon sceptre! Je m'occuperai de vous plus tard! Voilà, c'est ça, revenez plus tard. Plus détendu, plus décontracté, ça se trouve, on sera même pas là. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? La tête de... Hé, hey, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Il parle comme Tintin d'un coup. Oh, c'est un gré milou! Sapristi! Bienvenue à Lueur, Spyro! Malheureusement, il porte de... Ah là là, pas de chance. Cramez-moi les arts. Alors déjà, du coup comme ils ont remasterisé, c'est pas beaucoup plus beau que le premier qu'on a vu. Hein, y a pas de différence d'ailleurs. C'est beau, l'herbe est belle. L'herbe n'est pas plus verte que tout à l'heure. Et est-ce que j'ai l'option de jouer à deux? Non. Ok, je vais quitter le jeu, on va aller voir le 3 vite fait. À un moment on va nous proposer un truc avec deux joueurs. Ben c'est ce que je voulais voir. Est-ce qu'il y avait un coop? Mais là il n'y a pas. Mais tout le monde a dit non. Sauf Soleil qui dit que sur Wii il y avait de la coop. Je passe l'intro. Juste voir s'il y a de la coop ou pas.
Je zappe. J'ai faim. Sauvetage désespéré commence. Ok, ils ont lissé. En fait, les trois jeux ont à peu près le même bénéficie du même remaster. Ce qui est logique. Ah, je crois que je peux cramer l'herbe, ce qui n'était pas le cas. Pas que l'herbe cramée pour les précédents. Petit détail, ça change pas grand chose. Mais... regarde, sur les roulades sur le côté. Ils ont tout harmonisé, ce qui est bien. Après, je me souviens pas combien de temps durait le premier. Est-ce que quelqu'un a vraiment envie de faire les trois d'affilée? Oh, je pense qu'il montre ça à mon fiston, il va kiffer. Donc, ça fait voir. Quoi. C'est toi qui dois sauver les œufs, hein? Encore sauver les œufs, bah donc. Un petit raid. Les filles Bergeux. Très bien. Les amis du jeu de société. C'est trop cool. Merci les amis. Ah, trop content. Une grosse différence dans le troisième, tu pourras nager. Mais je me souviens plus s'il est accessible depuis le début. On va voir. Ah, les amis de Philibert. Ah bah très bien. Moi qui aime le jeu de société souvent. Je vais chez Philibert. On s'amuse bien. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse des trucs ensemble. On va goupiller ça. Ça fait longtemps que j'y pense. Je me dis, ah mais les trucs, déjà, faudrait que je vous invite dans un level 1, ce serait pas mal. Oui, peut-être un level 1 sur un jeu de société qui a été transformé en jeu vidéo et qui fonctionne bien. Et qui fasse un bon level 1. Alors, c'est un peu trop haut pour mes petites pattes. Donc. Alors je monte en hauteur quelque part sans voler jusque là. Ah trop bien, bah, c'est sympa de venir, merci. J'ai un jeu de société pour toi. Ah, Goldorak, moi j'ai un truc pour toi. Bah, je t'enverrai un petit message. Mais il faut arrêter de me faire des cadeaux. Maintenant c'est mon tour, d'accord. On va faire comme ça, voilà. Trouver la solution. Alors, bah, elle est délivrée et elle est emprisonnée. Elle. La sorcière m'a demandé de garder Sheila le kangourou. Ah, c'est pas la chanteuse, si ça va. Si vous payez sa caution, je la laisserai volontiers. C'est combien? 300. Oui, mais c'est du double vitrage. Ok. Bon, je vois pas de mode de joueur. Hein. On va aller voir ce petit niveau, mais. Avec plaisir, mon Philibert. Eh ben, on va se goupiller ça. Ça fait longtemps que j'ai... mon ami Mathias me dit, mais il faut vraiment qu'on fasse un truc avec. Okay. Donc, on se met en contact et on va tenter un truc. En tout cas, voilà. Sachez que j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est quand même la référence dans le domaine du jeu de société. Donc, quand on a besoin de savoir si un truc est bien ou pas bien, c'est eux qu'on va voir. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, mais je pense que je suis pas le seul. Visiblement, ça a l'air de bien marcher pour vous. Donc, pour les petits amis qui me rejoignent, on va pas tarder à aller manger, mais on va rester encore un tout petit peu. Je prépare les level 1 de mercredi. On est 4 à tourner. Et du coup, j'ai décidé de sortir Spyro, puisque ils ont mis sur le Game Pass la Reunited Trilogy. Donc, les 3 épisodes de Spyro. Voilà. Je voulais voir s'il n'y avait pas un épisode qui serait jouable à deux, parce qu'il y a une émission que je dois faire en duo avec Kayane. Et j'ai promis de lui trouver un bon jeu cette fois. Donc on aurait pu jouer à deux à Spyro, c'était parfait. Ah, un œuf depuis tout à l'heure. L'œuf s'appelle Vanessa. Bonjour. Ok, très bien. C'est pas que les œufs aient des noms, mais... voilà, donc là je l'entraîne en fait. C'est pour moi, c'est pas un vrai stream, c'est histoire de pas m'ennuyer tout seul quand je travaille. Je propose que vous veniez voir derrière mon épaule comment ça se passe la préparation d'un level 1. Sinon, mes vrais streams, c'est le jeudi soir à 21h30
Et là, c'est plus sérieux. On rigole bien, c'est 3 heures. C'est à heure fixe, c'était à 21h30. Là, c'est vraiment à l'arrache quand je peux, quand j'ai le temps. Quand je prépare les level 1, bah voilà, je branche la webcam et j'y vais. Et je m'occupe relativement peu du chat, alors que j'adore ça. Et le jeudi soir, évidemment, c'est mon grand plaisir, c'est d'interagir avec vous. J'ai vraiment des gens qui font des super vannes. Donc c'est super de les, c'est super de les voir faire des vannes. Donc si vous venez à jeudi soir, vous verrez. Il y a différentes attractions. Il y a le jeu, bien sûr. Et il y a moi, qui raconte des conneries. Et il y a surtout vos conneries à vous. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc, merci pour le coup de main. De rien, Horace. Je m'en serais débarrassé à un moment ou à un autre. Donc du coup, c'est super le jeudi soir. Et j'ai beaucoup plus de temps de m'occuper de vous. C'était le but, de passer un bon moment avec vous. Là. Ah, c'est vrai qu'il flotte. Là, c'est vraiment la préparation des level 1. Et je fais relativement peu attention au chat. Même si j'ai intérêt à faire attention, parce que souvent vous me donnez des bons conseils qui me permettent de gagner du temps, finalement. Ah bah voilà, tout le monde m'offre des œufs. Oh, mais je crois que j'ai pas trouvé. Ah, la gueule du truc! On voit qu'il est fraîchement. Il a fait un petit tour. Oui, on est d'accord! Et bah, je l'ai sauvé quand même, parce qu'on s'en fout que les gens soient moches, on les aime quand même. Et il a du talent. Et il twerk très bien encore. Si t'es moche, mais que tu twerk correctement, ça passe. La leçon. Il y a des leçons à retenir des jeux vidéo quand même. Pas sûr que ce soit la meilleure leçon, mais bon. Ah, là, je me suis téléporté ici. J'ai découvert cette arène d'entraînement de glace. Ah, les gars. Tu peux pas attraper les 15 lézards qui. Mais bien sûr que si. Ah, mais il fait du skate maintenant. On va d'accord. Oh. Ah, mon skate. Comment je fais pour remonter dessus? Il a disparu. Ah, mais là, je peux le récupérer. Je pense qu'à l'époque, Tony Hawk. Il devait y avoir Tony Hawk qui faisait des. Oh, joli. Cartonnet, donc ils se sont dit, tiens, on va mettre un peu de skate dans Spyro. Les jeunes, ils aiment le skate. Ah, des beaux reflets là, mine de rien. Hop. C'est ça les lézards. Ah, ok, bon. Sur les lézards, est-ce que je peux. Hop, hop, hop! Ah, il y en a un qui était là, suspendu, j'ai vu. Oui, un petit côté Tony Hawk, je peux même faire des figures. Et me la casser, la figure, aussitôt. C'est Spear Hawk, exactement. Ça, par exemple, Spear Hawk, ça mérite une récompense un jeudi soir, quoi. C'est clair. Allez hop. Oh, j'y étais presque. Ouf, dommage. Mais je pense qu'il faut que j'ai un peu d'élan pour réussir. Oh non. Voilà, ouf. Oui. Oh, j'y étais là. Juste. Oui. Voilà. C'est bon. 15, est-ce que je vais vraiment. Après les 15, mais oui, pourquoi pas. Hop, je fais la route. Yeah. Aïe, aïe. Peut-être pas besoin du skate tout le temps. Là, je cours vite là. Ah, il y en avait un là en hauteur. Hop. Hop, demi-tour. Ah, j'en ai vu un.
esclavage. Savoir par là plutôt. Ah bah elle a disparu. Et l'autre s'est raccroché, elle est retournée seule. Hop hop hop. Ne sauve pas toi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression qu'elle a disparu très bizarrement. Hop, toi t'étais coincé et toi t'étais en l'air, mais je crois que t'es... Non, toujours là. Il y en a deux en fait depuis tout à l'heure. À droite. Hop. Pas mal, j'ai Spiro. Oh mince, évidemment. J'ai voulu faire une acrobatie, mais là, c'est pas terminé. Mettre. Allez. Oh dommage. C'est par là. Oui. Oh c'était bien ça pourtant. Là, là j'ai un beaucoup d'élan. Ça, ça me rappelle. Oh j'étais là. J'ai droit de cracher du feu en l'air, ouais. Ça me rappelle California Games. Il y avait du skate comme ça. C'est pas un gars du jeu déjà à l'époque. Hop. Ouais, je crois que j'ai eu. En tout cas. Ouais. Je crois que j'ai eu son ballon. Ouais, il y en a qui sont suspendus tout là-haut. Comment je vais faire pour les avoir sur... C'est pas passionnant. Je suis là pour le principe, mais voilà. Ok, bon, je vais quitter cette zone. C'est pas le truc le plus intéressant qu'on puisse faire. Je peux rester appuyé sur X pour pas que Spiro s'envole. Ah bah voilà. J'ai raté quelque chose. Voilà, donc ça c'était ici. Je pense que je vais plutôt rester sur le premier. Je pense que c'est celui sur lequel tout le monde a le plus d'affect. Donc je vais plutôt rester sur le premier. Mais c'est bien d'avoir vu aussi celui-ci. Mais alors, il y aurait eu deux joueurs, c'était parfait. Ouais, je suis dégoûté. Dégoûté. On va voter, tout le monde est d'accord pour le premier. Je vois que Yumi est d'accord. Ce premier, c'est celui qui parle le plus. Tout le monde. Hein. C'est bien, ça peut. Oh, Isabelle, c'est ma femme. C'est pour me rappeler que c'est l'heure d'aller manger. Ah, bah, ma femme est plus jolie que ça. Donc, pas de commentaires sur le physique de ce poulet, s'il vous plaît. Je veux pas d'ennui. Bon, c'est le signe qu'il faut que j'aille déjeuner. Les amis, je propose qu'on se retrouve cet après-midi, peut-être avec un autre jeu. En tout cas, voilà, moi je suis bien content de retrouver notre Spiro, ça fait du bien. Le premier est génial, bah voilà, si Crystal a dit que c'était le meilleur, je suis d'accord. Voilà, et ben merci d'avoir suivi ce grand retour. C'était pas facile les dernières semaines, mais je suis content de vous avoir retrouvé. Il y aura sûrement un peu de stream cet après-midi et sûrement demain matin aussi. Voilà, il faut que je fasse un petit peu le tri dans tout ça. Voilà. Entre-temps, si vous avez des propositions, des idées de jeux jouables à deux avec Kayane, sans qu'elle me mette la misère, on pas un jeu de baston, je prends... Ah, mon dindin! Je vois mon dindin qu'elle a. Ah, oh, un dindin! Oh, un Spiro! Incroyable, mais quelle conjonction désastre. Alors par contre, je vais aller déjeuner. Donc, on se retrouve en début d'après-midi, je pense, pour un petit peu de stream. Et puis à 4h30, j'ai recherché le fiston à l'école, comme d'habitude. C'est ça, la dure vie de streamer. C'est pas si dur, franchement. Allez, gros bisous, les amis. Merci d'avoir été là pour ce petit retour. Rendez-vous cet après-midi pour ceux qui peuvent. Bon appétit à tous ceux qui vont déjeuner. Et puis si c'est pas cet après-midi, ce sera demain matin. En tout cas, voilà.
I am back, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je vais le faire là sur cette caméra, ça sera plus spectaculaire. I am back, il était temps. Et ça y est, je ne suis plus en mode Joe Biden, donc profitons-en. Allez, bisous les amis, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort, merci d'avoir été là. Ça fait du bien de voir que vous êtes toujours fidèles au poste. Allez, à bientôt, à tout à l'heure.